Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Lydith, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur notre survie hardcore. On est sur l'épisode numéro 5, logiquement aujourd'hui. Dans les précédents épisodes, on avait fait du minage, on avait fait de l'exploration, on avait fait des petits enclos pour justement accueillir poulets, vaches, moutons. On avait commencé un petit peu également ces petits champs. Et du coup, bah, dans cet épisode les amis, on va tout simplement faire le manquant. Donc pour le manquant, c'est très très simple. Le manquant, c'est quoi? C'est la maison. Donc je me suis dégagé une petite place en off pour pouvoir y installer la maison. Donc on va vraiment l'installer sur cette hauteur. Alors je précise également, du coup, cette maison, ça va vraiment être une maison très light, on va dire, une première maison, une première bâtisse très très simple en cobble, bois, etc. Vraiment les bases de la base d'une maison. Et on fera peut-être, enfin, c'est même sûr, c'est pas peut-être, mais on fera même du coup une autre baraque peut-être beaucoup plus grande à un autre endroit. On verra encore où est-ce qu'on sélectionne, mais voilà, en tout cas pour le moment on va vraiment garder, enfin utiliser pardon, une première petite maison pour vraiment être à l'aise justement sur ça. Donc j'ai farm un petit peu forcément la dirt pour terraformer, j'ai récupéré un petit peu de cobble, ce sera je pense largement suffisant. On a du sable un petit peu en bordure, on va dormir pour passer la nuit, et on va même en parallèle aussi étendre un petit peu les champs, enfin en tout cas sur ce qui a poussé, pour au moins essayer d'avoir un maximum de nourriture, de produits qui seraient du coup ici justement de l'agriculture dans le jeu, pour pouvoir être beaucoup plus serein par la suite. On va également voir du coup par rapport au cuivre, on va clore les débats, est-ce que le cuivre rapporte de l'XP? Le cuivre rapporte de l'XP, ça a même fait un level pour un stack, donc c'est très très bien. Vous voyez, juste en ayant miné du cuivre, on a récupéré 2 levels ennemis, en sachant qu'on n'a rien fait, hein. Clairement on les a juste minés, donc moi je trouve ça vraiment très très bien, franchement c'est très très sympa. Donc clairement, prochaine fois qu'on voit du cuivre, on le récupérera tout simplement pour miner, parce que bah, franchement, je trouve ça vraiment très intéressant, cette manière de pouvoir gagner de l'XP assez rapidement. Voilà, quand on fait du minage, on a juste à se baser à partir du cuivre qu'on récupère, et on a de l'XP, donc ça c'est vraiment top. Voilà. Dans cette vidéo, les amis, en même temps que je vais récupérer du bois, en même temps que je vais récupérer un petit peu tout le reste justement pour faire notre maison, je vais également vous annoncer quelque chose. Alors je pense que j'en ferai peut-être une vidéo indépendante, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre de vos réactions pour tous ceux qui sont présents du coup sur ces vidéos là. Je vais stopper les lives sur Twitch pour me consacrer uniquement sur YouTube. Ça fait peut-être maintenant 2 ans que j'ai créé ma chaîne Twitch, enfin un petit peu moins, peut-être un an et demi, ouais, un an et demi, 2 ans que j'ai créé ma chaîne Twitch, et je me rends bien compte que bah, du coup c'est bien souvent, je pense, par rapport à l'algorithme YouTube, au détriment justement de la chaîne. À l'époque où je faisais vraiment des streams sur YouTube, la chaîne YouTube était quand même globalement un peu mieux mis en avant. J'ai même eu cette discussion avec mon ami Mkolo, donc je pense que voilà, je vais, enfin c'est pas je pense, c'est j'annonce arrêter du coup les streams sur Twitch et reprendre du coup tout simplement sur YouTube, donc simplement porter les streams sur YouTube, hein, rien de rien de pire que ça. Je remercie évidemment tous ceux qui ont été présents sur Twitch, tous ceux qui ont soutenu la chaîne Twitch, tous ceux voilà qui ont participé au développement financier comme au développement en volume sur la chaîne. Donc vraiment un grand merci à vous. Les streams ne s'arrêtent pas évidemment, les streams juste décaleront du coup sur YouTube pour bah, tout simplement voilà, essayer, on va dire, de mieux organiser, de mieux essayer de mettre en avant, de mieux promouvoir, on va dire, de mieux jouer avec l'algorithme sur YouTube, pour essayer de mettre un petit peu plus la chaîne YouTube en avant par rapport à scinder justement les deux sur Twitch. C'est vrai que forcément, stream sur deux plateformes, hein, même de manière générale, stream sur deux plateformes, c'est un petit peu difficile, parce que ça peut vraiment jouer les troubles faites en scindant en fait vraiment votre communauté en deux parties. Et c'est vrai que globalement, mis à part quelques personnes, eh ben, les personnes qui sont sur YouTube ne dégalent pas sur Twitch. Donc c'est vrai que ben, on perd forcément des personnes voilà, qui pourraient vraiment être intéressées par les streams. Alors vous allez me dire, bah, forcément, les gens pourront très bien se déplacer d'eux-mêmes si viennent pas sur Twitch, c'est qu'ils ont pas envie d'être là, c'est possible, mais en attendant j'ai envie justement de réessayer directement. Alors évidemment la chaîne Twitch ne sera pas du tout fermée, hein. Peut-être que je vous dis ça, mais peut-être que dans 3 mois je vais reprendre directement sur Twitch, hein, je ne sais pas, mais en tout cas voilà, je vais vraiment essayer de reprendre directement sur YouTube. La qualité de YouTube, des streams sur YouTube était vraiment buggée, apparemment ça a été réglé, donc c'était aussi pour ça que je préférais justement Twitch à YouTube pour l'instant, mais voilà, apparemment du coup ça a été réglé, donc écoutez, on va essayer de voir ça, on va clairement essayer de voir ça, on va voir un petit peu vraiment ce que ça donne. J'aime beaucoup cette expression, mais clairement c'est un petit peu le cas, on va voir vraiment dans quel sens ça évolue, et j'aimerais bien justement bah voilà, que ce soit vraiment plus que correct, que la qualité revienne, enfin que la qualité vraiment soit top comme à l'époque où je faisais des streams notamment sur YouTube, et on va voir un petit peu là-dessus. Et je précise aussi également, mais bon ça c'est plutôt le côté gestion, mais sur YouTube quand vous faites par exemple, vous participez financièrement, vous soutenez la chaîne, il y a quand même globalement moins de taxes sur YouTube que sur Twitch, donc c'est vrai que je pense vraiment...
Voilà, vraiment retourné, excusez-moi, retourné. J'ai un petit peu pris au niveau du nez, donc ça redescend un petit peu sur la gorge. Je m'en excuse pour ces bruits pas forcément agréables. Mais voilà, c'est vrai que globalement, il y a moins de taxes aussi sur YouTube, donc je trouve ça plus intéressant, enfin plus intéressant, comme pour vous, comme pour moi, hein, de toute façon, d'être directement sur YouTube et non pas sur Twitch. Donc voilà, clairement, je vais reprendre là-dessus sur YouTube très prochainement. Voilà, par la suite, je n'en dis pas plus, mais dès qu'il y aura un prochain live, c'est-à-dire très bientôt, enfin en tout cas bientôt, pas forcément très bientôt, mais bientôt, voilà, je vais directement reprendre sur YouTube. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Même au niveau des rediffusions, c'est quand même globalement plus simple. Les rediffusions sont mises automatiquement sur YouTube. Il n'y a pas de réglage à faire. Enfin, si ce n'est que mettre un titre et une description. Mais ça, jusque-là, c'est à ma portée. Donc voilà, globalement, pas forcément de gros détails à faire sur les rediffs. Étant donné qu'elles sont mises en avant tout de suite. Enfin, elles sont vraiment disponibles sur la chaîne tout de suite. Donc c'est ça qui est vraiment sympa. Peut-être vraiment que je referai une playlist spéciale rediffusion. Je sais même pas d'ailleurs si je peux l'afficher sur YouTube. Mais je pense que si, sur la chaîne directement. Et c'est quand même globalement plus simple pour moi, c'est justement pas du tout du double tranchant, enfin voilà, clairement moi c'est plus simple, donc je pense que je vais faire ça comme ça, juste à voir comment j'arrive à m'organiser, parce que pour le coup, juste la gestion des miniatures sont un petit peu plus chiantes du coup sur YouTube, parce que c'est une fois que le stream est lancé, vous pouvez régler votre stream, vous pouvez pas le préparer à l'avance, enfin en tout cas j'ai pas forcément trouvé comment faire, donc voilà, faut juste que je redéveloppe ça un petit peu... au fur et à mesure voilà, que les streams justement reviendront, mais voilà, globalement un petit peu pour cette idée est évoquée, donc n'hésitez pas évidemment à me dire en commentaire ce que vous en pensez pour tous ceux justement qui sont sensibles à ce sujet. Voilà, ceci étant dit, on a farm un petit peu de bois, on a plus ou moins largement ce qu'il faut, je vais juste me refaire une petite hache. Alors vous allez me dire, la maison et les champs enclos sont un petit peu loin, mais bon, ça laissera peut-être d'occasion pour décorer. Et surtout, encore une fois, c'est pas vraiment une maison, une bâtisse finale. Hein. Il y aura vraiment d'autres choses qui seront faites dessus. Mais en tout cas, c'est déjà une première approche. Et je pense que ça peut vraiment être déjà sympa, en tout cas, là-dessus. Donc voilà, clairement première approche. Donc je pense que ça pourrait être vraiment cool de la garder par la suite. Ça fera un petit souvenir en se disant, ah, tiens, au début de la survie, on en était là. On avait fait cette maison-là. Ça se trouve, je meurs dans 3 épisodes, hein, mais c'est pas grave. Moi, on aurait essayé. On va récupérer également un petit peu de sable pour le faire fondre tout de suite pendant qu'on avance sur la maison. Comme ça, on aura de quoi faire les premières fenêtres. Évidemment, ici, de toute façon, même cette plateforme de sable, ça va dégager. Hein. Là, pour le moment, je l'ai laissé là, mais on terraformera quand on aura plus d'outils. Quelque chose d'un peu plus joli pour que ce soit vraiment beaucoup plus présentable que ce que ça l'est aujourd'hui. Peut-être avec des palmiers, enfin voilà, vraiment faire une petite bordure d'eau. Mais ce que je trouve très sympa ici, c'est que comme on a la mer ou l'océan, ben forcément on peut vraiment développer pas mal de choses dessus. Donc c'est ça qui est vraiment cool. Ok. Ça là-dessus, on est plutôt pas mal, on a un petit stack de sable, ça devrait largement suffire, on va pas trop se prendre la tête. On va déjà mettre ça du coup à fondre. Il y avait un petit peu de charbon, je crois, ouais, qui restait dans le coffre, mais il y en avait même un petit peu dans la espèce de grotte là qui descend juste à côté. On va d'ailleurs peut-être même aller récupérer ça juste après. Donc là, on va déjà hop, remonter, déjà installer les prémices, on va dire, de la base. Donc c'est très simple, hein, vraiment, on va la faire vraiment une maison, j'ai envie de vous dire, assez classique. On va essayer de faire assez spacieux, mais pas forcément trop grand pour pas forcément que ce soit non maîtrisé. Mais voilà, on va essayer vraiment de faire assez, assez grand quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je pense qu'on peut passer par là. 1, 2, 3, alors attendez, peut-être pas non plus autant pour que ce soit quand même plus gérable. Donc on va laisser 7 pour voir, on va voir un peu ce que ça donne. On a mis du coup donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, 10 de long comme ça, je pense que ça me paraît plutôt cool. Et on peut laisser peut-être 8 pour rester justement sur un nombre pair. Ici, est-ce que c'est une maison assez spacieuse? Je pense que oui, on pourra faire un petit souterrain, un étage. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va voir un peu, mais je pense que c'est plutôt cool. On va du coup maintenant installer le bois, ici. Donc au niveau du bois, alors deux solutions. Où je laisse... en fait, deux solutions justement pour la maison. Où je laisse vraiment, vous voyez, du bois vraiment sortant de cette manière-là. Là du coup, avec une porte simple, on va faire comme ça. On va essayer comme ça, ça va changer peut-être un petit peu. On va essayer clairement comme ça. On va essayer comme ça. Ok. En fait, là, il va juste falloir du coup qu'on mette ça du coup dans les angles à chaque fois, je pense. Parce que sinon, ça va être de la merdasse. Non, on va pas faire comme ça. On va pas faire comme ça. Ça va pas du tout coller à l'idée de la maison que je veux faire au niveau de la taille. Ça n'ira pas. Parce que vraiment, pour faire le lien avec l'étage du dessus, ce sera justement pas suffisant. On va rester sur un style un petit peu classique. Voilà, en mettant vraiment des piliers de chaque côté ici. Alors, évidemment, attention à notre vie.
Attention à notre santé, qu'on ne meure pas. Voilà, on va vraiment monter donc chaque bloc ici. Peut-être en effet mettre du bois à différents endroits pour customiser un petit peu plus la maison, mais dans tous les cas, ça va rester plus ou moins de cette manière-là. C'est parfait. Ici, est-ce qu'on va avoir du coup quelque chose qu'on va pouvoir scinder en deux? Non, du coup, on va tout simplement rehausser de 1 la maison. On a la place, et comme ça, au moins, ce sera, voilà, je pense, globalement assez sympa. Ok. Voilà. Ça m'énerve, je suis vraiment embêté depuis quelques temps avec cette espèce de micro-rhume. Enfin, c'est pas du tout un rhume, hein, mais vous avez vraiment, ça redescend. Enfin, voilà, je pense que je vous fais pas de dessin, mais vous avez bien compris, ça redescend un petit peu plus bas que le nez, et je suis un peu pris. Du coup, c'est extrêmement chiant. Voilà, hop, 3, donc ça c'est bon. Voilà, on va mettre du coup une petite bûche ici, et ici on va même peut-être pouvoir inverser pour que casser un petit peu ce côté symétrie. Ok, on va monter de cette manière-là. Parfait. Ok, on a déjà du coup les premières petites prémices, on va dire, de la maison. On va juste peut-être refaire un petit peu de bois pour installer déjà la base. Voilà, de cette manière-là. Voilà, ici du coup, on va vraiment installer la porte de la maison, forcément. Ici, on va même peut-être pouvoir casser ça, poser du coup les bûches, donc de cette manière-là. Ouais, je pense que ça me paraît plutôt cool. Voilà. On va vraiment installer tout ça partout. On va venir installer du coup les petites fenêtres. Alors, pas forcément partout, mais en tout cas, au moins sur les côtés, pour que ce soit quand même un peu mieux visuellement. Là, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Alors, non, vous voyez, je peux pas mettre ce petit bois-là parce que du coup, ça va mal rendre. Alors, attendez, on va vite, tout de suite retourner dormir. Mais sinon, en fait, ça va vraiment mal rendre parce que on n'aura pas assez de largeur de fenêtre pour que ce soit suffisamment agréable à regarder. Donc, on va revenir par là, on dort, on revient sur le territoire de la maison. On va remonter tout ça, on va casser les bûches au centre. Voilà, on va casser clairement les bûches au centre. Voilà, parfait, magnifique, ok. Et donc là, du coup, on va hop, installer donc les petites fenêtres ici. En fonction de, voilà, donc où on fait deux petites fenêtres ici collées justement sur les côtés, ça va vraiment rester visuel, on va voir un peu. Ici, on va tout reboucher, on va pas du tout faire de fenêtres. Et donc là, vraiment deux solutions, où je fais une grande fenêtre de 3 sur les côtés, où justement je laisse, je pense que je vais faire ça plutôt. Je vais faire vraiment une petite fenêtre de 3, ça va laisser un petit peu d'angle à certains endroits pour pouvoir faire quelque chose de sérieux. Donc on va clairement laisser comme ça. On va voir, on va peut-être laisser le bois, enfin les bûches en tout cas, descendre sur la couche de cobble. Pour le moment, en tout cas, on va vraiment se baser sur ça. On va venir, du coup, alors on va refaire peut-être une table de craft ici. Et on va venir un petit peu installer du coup des escaliers de cobble sur les côtés. Voilà, juste ici pour vraiment. Tac. En fait, c'est dommage que j'ai pas de bois de sapin. C'est peut-être un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave. On va du moins installer. Hop. Ça ici, donc vous avez compris un petit peu l'idée, je pense, de la maison que je vais réaliser. Voilà, avec justement donc les petits escaliers qui vont venir justement soutenir le deuxième étage, enfin le premier étage, pardon. Mais du coup, avec un petit décalage de blocs pour que ce soit un peu plus agréable, en tout cas que ça fasse un petit peu plus de relief justement sur la maison pour pas que ce soit plat, platonique, pas intéressant du tout. Donc on va aller. Hop, donc sans souci directement, donc là on est bon, on va pouvoir refaire un petit escalier à l'intérieur. Voilà, qu'on ira, pardon, évidemment dégager par la suite. Et là justement, on va du coup installer le bois dessus. Alors c'était vraiment des maisons que je faisais en 2017, 2016-2017, mais ça me régale de faire des maisons comme ça me rappelle un petit peu la bonne époque, ça me rappelle un petit peu les bons souvenirs de Minecraft aussi. Alors évidemment, on va pas faire non plus des maisons comme en 2011, mais en tout cas, voilà, ça me rappelle un petit peu justement ces souvenirs-là. Donc là, clairement, attention à pas se tromper. Ou on laisse 3 de hauteur, ou on refait une quatrième de hauteur. Je pense que de toute façon, c'est ce qu'on va faire pour que ce soit suffisamment agréable. Hop. Merde. Alors attention à ça. Attention à pas nous faire avoir avec ces dégâts de chute importants. Attention à pas se faire avoir du tout, parce que là, ça ne va plus trop rigoler sinon.
Ok. Ok, en fait, on peut pas y aller, je crois, j'ai l'impression. C'est un petit peu moi qui suis un peu débile, hein, à pas se le cacher. Ok, du coup, là, on va vraiment poser donc les bûches de ce côté-là. Comme ça, on aura déjà un petit peu le squelette de la maison. Je n'ai plus assez de bûches, évidemment, donc on va retourner en couper. Mais en tout cas, voilà, on a déjà vraiment ce premier squelette de la maison. Je suis assez content du résultat pour l'instant. La dirt, on va la laisser là pour le moment. C'est un petit peu nos échafaudages, hein. Mais voilà, je suis un petit peu du coup content pour le moment de la maison. On va vraiment remettre du bois pour retravailler un petit peu sur la couleur. Et j'aimerais juste bien mettre une toiture différente pour que ce soit un peu plus joli visuellement. Mais bon bref, on va voir un petit peu voilà, ce que ça donne par la suite. Mais je pense que pour l'instant, ça me paraît plutôt cool. Alors, on est vraiment sur le début d'une construction, donc c'est pas forcément très très ultra joli. Mais voilà, ça me paraît correct. Ça me paraît correct, en tout cas, vraiment, ce sera une maison adaptée au biome où on sera. Et évidemment, comme je vous dis, c'est une première bâtisse, c'est une première maison. Enfin, c'est même pas éventuellement, c'est si la survie s'éternise un petit peu, on fera justement une autre base. Alors peut-être quelque chose sur l'eau, je sais pas du tout. Mais voilà, évidemment, ça changera, forcément. On va pas du tout rester dans ce style-là, hein. C'est plutôt logique, jusqu'à présent. On peut même, j'ai même d'ailleurs des petites idées, alors ça a déjà été fait plusieurs fois, mais j'ai même d'ailleurs une petite idée de construction au niveau de l'eau. Si c'est assez profond, on peut même faire une base aquatique avec des bulles en fait. Comme la cité des Gungans dans Star Wars. Mais oui, je pense que c'est clairement assez profond avec les algues. On peut même tout éclairer. Enfin bref, franchement, j'ai plein d'idées, hein. Sur cette survie, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Et j'en profite également pour vous dire que on a beaucoup beaucoup réfléchi sur plein de trucs sur la V2 avec Dodo et Gab. Donc il y aura vraiment une vidéo prochainement qui va arriver, je pense, mi-décembre, un truc comme ça, dans une quinzaine de jours, pour présenter notamment le serveur avec les fonctionnalités et tout ce qui sera présent en termes de contenu dessus. Enfin, en termes de pas forcément de mise à jour, mais en termes d'activités présentes dessus. Alors je le rappelle, hein, on reste vraiment sur un serveur semi-vanilla, on va appeler ça. Je pense qu'aujourd'hui, le vanilla, je l'ai bien compris, le 100% vanilla, c'est trop compliqué à gérer, vu que maintenant, bah, forcément, une partie de la communauté, de tous les jeux qui est là pour griffe, qui est là pour casser les reins, pour rester poli aux autres joueurs. Mais du coup, voilà, quand je dis semi-vanilla, c'est avec Core Protect notamment pour un système de protection justement au niveau des zones. Enfin voilà, vraiment un système de sécurité présent, anti-griffe, on va dire, avec peut-être quelques petits ajouts, notamment petits finds, peut-être des minimaps, etc. Mais bon, bref, ça c'est encore un autre débat, ce sera vraiment propre à chacun. Donc bref, tout ça, de toute façon, ce sera présenté dans une vidéo d'ici une quinzaine de jours, donc restez bien connectés, vérifiez bien votre abonnement, vérifiez bien que vous êtes sur le Discord, c'est important, toutes les vidéos sont notifiées directement sur le Discord. Et ça fait vraiment partie d'un de mes réseaux principaux vraiment pour communiquer avec vous. Donc c'est super important que vous soyez présent. Vraiment, j'insiste sur le Discord. C'est super important. Si vous n'y êtes pas, vraiment, vous manquez des choses. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Ok. On va du coup, hop, finaliser l'installation de ces petites bûches ici. Voilà, on va redescendre donc pour installer tout le reste. Ici, clairement, donc on va faire les murs. En fait, enfin les fenêtres, pardon, on va les installer directement sur ce côté-là. Donc pour ce faire, on va se remunir de nos petites planches et on va faire voilà un truc comme ça pour les fenêtres. Directement. Alors on verra sur le bas, hein, clairement ce que ça donne, mais en tout cas, pour le moment, ce sera comme ça. On va juste dégager un petit peu la dirt pour avoir un peu plus de visibilité. Alors forcément ici, je ne peux pas mettre de fenêtre, donc on va fermer. Ça ne change pas du tout à l'idée. Voilà, non, c'est pas du tout en haut. Qu'est-ce que je fais? C'est plutôt en bas. Voilà, peut-être avec. Peut-être scindé justement ici, je ne sais pas, on verra bien. Ça va vraiment dépendre d'après. Il me refaut un tout petit peu de bois. Ouais, c'est là, j'ai pris les œufs en même temps. J'ai fait le switch en même temps avec les œufs, ça ne va pas. Ici, on referme. Ici, on présente quelque chose de cette manière. Et voilà. Parce qu'en fait, de toute façon, si je lance, ça va faire une trop grosse baie vitrée. Je pense 4, ça va être trop. Et 2, c'est peut-être trop fin. Je ne sais pas. On verra bien. On verra bien. Pour le moment, on va vraiment laisser ça comme ça. On va voir tout simplement. Bon, ça me paraît déjà plutôt complet. On n'aura plus qu'à poser le sol, ça dans un second temps.
On va aller voir où en est le sable, mais en tout cas, dans un premier temps, ça me paraît vraiment, vraiment complet. Ici, du coup, pour l'entrée, on fera peut-être même une fenêtre simple pour voir un petit peu comment on scinde, comment on casse un petit peu cette symétrie. Je vais attendre de voir, de pouvoir justement poser la toiture. Donc la toiture, c'est très simple. Ici, on va vraiment être sur quelque chose d'ouvert. Et ici, on va tout simplement poser la toiture classique, hein, vraiment au-dessus. Voilà, je pense que ça me paraît plutôt bien. Ici, on verra un petit peu ce qu'on met pour habiller un petit peu la maison. Mais voilà, en tout cas, le début est fait. Donc voilà, on va vraiment... pas se prendre la tête, on va vraiment avancer tranquillou bilou, mais c'est déjà pas mal tout ce qu'on a fait enfin dans cet épisode, notamment au début de la construction de la maison. Ça me paraît plutôt cool. Ici en plus ça nous confirme du coup qu'on va avoir de la place vraiment pour installer d'autres champs, d'autres enclos, peut-être juste les adapter un petit peu de ce côté là, mais vraiment on a pas mal de place, pas mal de choses de dispo, donc ça c'est vraiment tip top je trouve. On a tout le verre qui a été fondu, qui est transformé, donc c'est pareil, c'est vraiment top. On va juste finaliser du coup cet épisode en apportant le champ un petit peu, vraiment développant le champ au max, en replantant du coup un maximum de graines et en allant du coup se faire accoupler les vaches et les moutons pour travailler évidemment nos réserves de cuir futures pour les enchantements. Et je pense qu'on sera vraiment vraiment bien. Voilà, donc ça je pense que c'est vraiment plutôt top. Ok, on va pareil adapter les pommes de terre ici. Ok, parfait. Et on peut faire également de même avec les carottes, avec les rotes, même si je sais pas du tout. Non, elles sont pas du tout prêtes, donc on va vraiment les laisser de cette manière. On va juste les faire s'accoupler. Hop, venez là. Je vous attends. Et comme ça, on est vraiment... plutôt bien, ok, c'est parfait. Et bien écoutez les amis, j'espère que vous aurez apprécié pareil cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur Discord, sur Twitter pour vraiment vous tenir au courant de tout ce qui sort au niveau des, bah voilà justement des prochaines, ou attendez je vais pas refermer au niveau du coup des prochaines vidéos, restez bien connectés, il y aura d'ici 15 jours l'annonce du coup du serveur, de la V2 du serveur, donc ça c'est super important, vraiment restez présents, restez connectés, ça va arriver très très vite. Prenez soin de vous les amis, plein de gros bisous et à la prochaine, salut.